C'est l'histoire pas très banale d'un petit gars un peu paumé qui souhaitait se faire la malle voyage et pour l'éternité. Comprenez, se suicider. Il était fâché, sa bonne femme l'avait quitté. Donc il fit l'acquisition d'un fusil de chasse rouillé pour se faire péter le caisson par une douce nuit de juillet. Mais chose dingue, ça n'a pas marché. La gâchette du flingue s'est cassée quand il a tiré. Mais comme il était rusé, il avait une autre solution. Il allait s'ouvrir les poignets avec un couteau à bourron. Pas évident, la gourmandine dans son élan lui avait pillé sa cuisine. Il enfila son tablier parce que le sang s'est salissant. S'en serait voulu si c'était taché, alors il tâcha de faire sang. Mais scandale, elle a tout embarqué. Il restait que dalle, qu'une passoire et l'évier. Il était déterminé pourtant à se foutre en l'air. Il eut la brillante idée de littéralement le faire. Trop malin, il sauta du balcon, atterrit chez le voisin. Il avait pas l'air con. Le voisin à poil et à l'aise lui demanda: ça va voisin? Fumait sa clope entre deux baises. Mais c'est ma femme! Non mais putain! Salope! Salope! Cocu! Cocu! Ah merde ma clope! Tout le monde était déçu. Vu qu'il s'était pété la patte, t'as pas tombé du bon côté. Mais juste assez pour que ça rate, il s'en alla se faire soigner. Oh bordel! Bordel! Mais qu'est-ce que ça fait mal? La morale de cette chanson, c'est que si un jour ça va mal, je vous conseille de faire attention si vous comptez en finir normal. Mais je m'inquiète pas, vous ne pourrez pas faire pire que ce petit gars, le cocu d'air.